Avoir et être, exemple, phrase simple au présent. Être assis. Tu es assis. Elle est assise. Nous sommes assis. Elles sont assises. Un homme est assis sur un banc. Devant lui, il y a des arbres et un étang. Être dans le bus. Je suis dans le bus. Il est dans le bus. On est dans le bus. Vous êtes dans le bus. Nous sommes dans le bus. Nous allons en ville acheter des affaires pour la rentrée. Avoir un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Il a un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous. Ils ont un rendez-vous. Aujourd'hui à 15 h, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Être gourmand. Tu es gourmand. Elle est gourmande. Vous êtes gourmand. Elles sont gourmandes. Ma voisine aime les gâteaux, les bonbons, les glaces, le chocolat. Elle est très gourmande. Avoir mal au ventre. J'ai mal au ventre. Il a mal au ventre. Vous avez mal au ventre. Il mange trop. Alors, après, il a mal au ventre. Être en colère. Tu es en colère. Elle est en colère. Vous êtes en colère. Ils sont en colère. Tu es en colère? Qu'est-ce qui se passe? Avoir froid. J'ai froid. Il a froid. Nous avons froid. Elles ont froid. Il y a de la neige. Il y a du vent. On a froid. Être en retard. Je suis en retard. Il est en retard. Nous sommes en retard. Vous êtes en retard. Pourquoi vous courez? Je me dépêche, je suis en retard. Avoir des enfants. Nous avons des enfants, vous avez des enfants, ils ont des enfants. Mes voisins ont 3 enfants, une fille et 2 garçons. Être sportif. Tu es sportif. Il est sportif. Elle est sportive. Ils sont sportifs. Ma nièce fait du basket. Elle a 3 entraînements par semaine. Elle est très sportive. Être blessé. Je suis blessé. Il est blessé. Vous êtes blessés, elles sont blessées.
Le sportif est blessé à la tête. Le sang coule sur son visage et sur sa poitrine. Avoir de la fièvre. J'ai de la fièvre. Tu as de la fièvre. Elle a de la fièvre. Vous avez de la fièvre. 37.8. Tu as de la fièvre. Aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école, tu restes à la maison. Être courageux. Tu es courageux. Il est courageux. Vous êtes courageux. Elles sont courageuses. Le tigre avance menaçant. Mais le chevalier est courageux, il n'a pas peur, il est prêt pour le combat. Avoir envie. J'ai envie, tu as envie, nous avons envie, ils ont envie. Nicolas regarde les gâteaux sur la table, il a très envie de les manger. Être en pyjama. Je suis en pyjama. Il est en pyjama. Nous sommes en pyjama. Ils sont en pyjama. Charles est en pyjama. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Avoir des boutons. Avoir de l'acné. Il a des boutons. Elle a des boutons. Vous avez des boutons. Ils ont de l'acné. Pendant la période de l'adolescence, les garçons et les filles ont des boutons sur le visage. C'est de l'acné. Être amoureux. Je suis amoureux. Elle est amoureuse. Vous êtes amoureux. Ils sont amoureux. Isabelle et Julien sortent ensemble depuis un an. Ils sont amoureux. Ils vont sûrement se marier. Avoir faim. J'ai faim. Il a faim. Elle a faim. Nous avons faim. J'ai faim. J'ai envie de manger 2 hamburgers et 2 parts de frites. Et tant pis pour mon régime. Être en vacances. Il est en vacances. On est en vacances. Ils sont en vacances. Elles sont en vacances. Nous sommes allongés au bord de la mer. Le ciel est bleu. Le soleil brille. Nous sommes en vacances. Avoir peur. J'ai peur. Elle a peur. Vous avez peur. Ils ont peur. Souvent, les enfants ont peur du noir. La nuit, ils font des cauchemars. Être en ville. Je suis en ville, elle est en ville, on est en ville, ils sont en ville. «
Je suis avec une amie, on est en ville, on fait quelques courses dans les magasins. Avoir un masque. J'ai un masque. Il a un masque. Vous avez un masque. Elles ont un masque. Je fais attention au coronavirus. J'ai un masque pour me protéger. Être chauve. Il est chauve. Vous êtes chauve. Ils sont chauves. Mon voisin est complètement chauve. Il n'a plus un poil sur le caillou. Avoir un bonnet. J'ai un bonnet. Il a un bonnet. Vous avez un bonnet. Elles ont un bonnet. Vous avez un bonnet, des gants, une écharpe. Vous n'avez pas froid. Être enceinte. Tu es enceinte. Elle est enceinte. Vous êtes enceinte. Elles sont enceintes. Ma cousine est enceinte. Elle attend un garçon. En principe, elle accouchera en juillet. Avoir X ans. Tu as 7 ans. Il a 15 ans. Elle a 20 ans. Vous avez 13 ans. Juliette fête son anniversaire. Elle est née en 2009. Elle a 12 ans. Être nombreux. On est nombreux. Nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux. Ils sont nombreux. Les spectateurs sont très nombreux pour applaudir les musiciens. Avoir des amis. J'ai des amis. Il a des amis. Nous avons des amis. Ils ont beaucoup d'amis. Nous avons voyagé dans plusieurs pays, alors nous avons des amis un peu partout dans le monde. Avoir un bras dans le plâtre. Tu as un bras dans le plâtre. Il a un bras dans le plâtre. Vous avez un bras dans le plâtre. Nicolas est tombé en jouant au foot. Son poignet est cassé. Il a le bras dans le plâtre. Être absent. Je suis absent. Elle est absente. On est absent. Ils sont absents. Mes voisins sont absents, ils sont chez des amis à Bordeaux jusqu'à la fin du mois. Avoir des taches de rousseur. Il a des taches de rousseur, elle a des taches de rousseur, vous avez des taches de rousseur, elles ont des taches de rousseur. Pauline a la peau très claire,
Elle a des taches de rousseur sur le visage. Être un jour. On est le 13 mars. Nous sommes le 15 juillet. On est début juillet. Les enfants sont en vacances. Avoir les yeux bleus. Tu as les yeux bleus. Elle a les yeux bleus. Vous avez les yeux bleus. Elles ont les yeux bleus. Julie a 16 ans. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Julie est très souriante. Être en été. On est en été. Nous sommes en été. On est en été. C'est la saison des fruits. Avoir la grippe, être grippé. J'ai la grippe. Tu as la grippe. Elle a la grippe. Nous avons la grippe. Tu as de la fièvre. Tu tousses. Ton nez coule. Tu as la grippe. Tu es grippé. Être en automne. On est en automne. Nous sommes en automne. Les feuilles des arbres changent de couleur et tombent sur le sol. On est en automne. Avoir du chagrin. Tu as du chagrin. Elle a du chagrin. Vous avez du chagrin. Elles ont du chagrin. Pourquoi tu pleures? Tu as du chagrin? Tu peux me dire pourquoi tu es triste? Être en hiver. On est en hiver. Nous sommes en hiver. Il fait froid, il pleut, dans certaines régions la neige tombe, on est en hiver. Avoir de la chance, j'ai de la chance, tu as de la chance, on a de la chance, nous avons de la chance. Mon voisin a gagné au loto. Il a de la chance. Être au printemps. On est au printemps. Nous sommes au printemps. Les arbres sont en fleurs. La chaleur revient. On est au printemps. Avoir des parents divorcés. Tu as des parents divorcés. Il a des parents divorcés. Elle a des parents divorcés. Ils ont des parents divorcés. De nos jours, beaucoup d'enfants ont des parents divorcés. Être stressé. Tu es stressé. Elle est stressée. Vous êtes stressé. Ils sont stressés.
Tu es stressé. Il y a quelque chose qui t'inquiète. Tu peux m'en parler? Avoir une activité physique. J'ai une activité physique. Tu as une activité physique. Il a une activité physique. Nous avons une activité physique. J'ai une activité physique régulière. C'est bon pour ma santé. Avoir une maison. Il a une maison. Nous avons une maison. Vous avez une maison. Ils ont une maison. Nos cousins habitent près de Nantes. Ils ont une grande maison avec un jardin. Être en train de regarder la télé. Je suis en train de regarder la télé. Il est en train de regarder la télé. On est en train de regarder la télé. Ils sont en train de regarder la télé. On est dans le salon avec les enfants. On est en train de regarder la télé. Avoir de la tension. J'ai de la tension. Elle a de la tension. Vous avez de la tension. Elles ont de la tension. 14-9. Vous avez un peu de tension. On va surveiller ça. Être en prison. Il est en prison. Elle est en prison. Ils sont en prison. Elles sont en prison. Le tribunal a condamné l'accusé à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Actuellement, il est en prison. Être d'accord. Il est d'accord. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Ils sont d'accord. Nous sommes d'accord. Nous pouvons signer le contrat de vente. Être en train de jouer. Tu es en train de jouer. On est en train de jouer. Vous êtes en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Les enfants sont dehors. Ils sont en train de jouer avec leurs copains. Être en train de dessiner. Je suis en train de dessiner. Elle est en train de dessiner. Nous sommes en train de dessiner. Elles sont en train de dessiner. Les enfants sont calmes. Ils sont dans leur chambre. Ils sont en train de dessiner. Être en train de dormir. Il est en train de dormir. Elle est en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Elles sont en train de dormir. Une petite fille est assise à l'arrière d'une voiture. Elle est en train de dormir. Être en train de lire. Je suis en train de lire. Elle est en train de lire. On est en train de lire.
Vous êtes en train de lire. Tu es chez toi, tu fais quoi? Je suis en train de lire, mon livre est passionnant. Être en train de faire la vaisselle. Je suis en train de faire la vaisselle. Tu es en train de faire la vaisselle. Il est en train de faire la vaisselle. On est en train de faire la vaisselle. Tu es chez toi? Oui, je suis en train de faire la vaisselle. Être en train de conduire. Je suis en train de conduire. Il est en train de conduire. Elle est en train de conduire. Vous êtes en train de conduire. Excuse-moi, je ne peux pas te parler. Je suis en train de conduire. Être jaloux. Tu es jaloux. Il est jaloux. Elle est jalouse. Elles sont jalouses. Elle aime son mari, mais elle est jalouse. Être handicapé. Il est handicapé. Elle est handicapée. Ils sont handicapés. Elles sont handicapées. Mon voisin est handicapé depuis sa naissance. Il est en fauteuil roulant. Être en train de travailler. Je suis en train de travailler. Il est en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Ils sont en train de travailler. On construit un immeuble près de chez moi. Des ouvriers sont en train de travailler. Avoir des voisins. J'ai des voisins. On a des voisins. Nous avons des voisins. Vous avez des voisins. Nous habitons à Angers dans un quartier HLM. Nous avons des voisins très sympathiques. Être de telle nationalité. Elle est somalienne. Il est soudanais. Ils sont éthiopiens. Elles sont françaises. Nous sommes des humains.